à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chaos. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la méga ouverture de Soleil et Lune. Alors ce que j'entends par méga, juste, c'est pas une centaine, 200, 300 boosters. Hein. Non, non. C'est juste qu'on va se faire un peu de display. Un peu de display Soleil et Lune. Ouais, j'ai pas beaucoup de place du coup, voilà. On va se faire les deux Pokébox. Donc Solgaleo et Lunala. Tac, je vais mettre ça là en attendant. On va se faire le petit coffret Lugarok, que je vais mettre là en attendant aussi. Et on va se faire deux tripacks. Donc je pense qu'on prendra un vieux hop, et un nouveau. Ceux-là, je peux les enlever, on va les mettre là. Voilà. Donc on va se faire les nouveaux tripacks, donc avec le Giratina et la Marion, si je dis pas de bêtises à l'intérieur, et un vieux. Enfin un vieux, non, c'est pas un vieux, mais bon, voilà, je me comprends. Je vérifie juste le zoom parce que ça me semble quand même assez proche. Donc on va se faire ça. On va commencer du coup, bah, sans trop tarder. Hein. Écoutez, on va commencer avec les tripacks. Voilà, parce que j'en ai envie, ça, on va peut-être bouger un peu. Là, on va faire ça comme ça. Donc tac, donc on va ouvrir ça. Si jamais c'est trop long, je pense que je l'avancerai. Parce que de toute façon, voilà, ça, j'ai peur perso que ce soit très long. C'est les ouvertures de tripack, tout ça, le coffret, je pense qu'on zappera aussi. Donc la petite Giratina, qui est vraiment jolie. J'ai les protections pas loin. Tac, bon, je suis obligé de la poser deux secondes, je suis désolé. Tac. Et on la met sous protection. Là, ça c'est bon, c'est fait. Nickel. Et la deuxième, donc c'était la Marion. J'adore cette carte, elle est vraiment belle. Et la Noctalie, là, c'est. Ouais, c'est terrible. Donc c'est la 177. Elle est vraiment jolie. Donc ça c'est bien, au moins voilà, dans les tripacks, ça y est, ils mettent enfin deux cartes promo, bah c'est nickel, c'est parfait. Donc ça on met de côté, je ne sais plus du tout quel tripack était lequel. Bon écoutez, ah bah oui, celui-là là, c'est le nouveau. Donc on va commencer par le vieux, donc deux Fel Inferno, un Solgaleo. On va pas se faire chier avec le scotch, on y va tout de suite, j'enlèverai après ça, il n'y a pas de problème. Tac, parce qu'il y a quand même beaucoup à faire. Pardon, je vais mettre ça, je sais pas, j'ai pas de place, putain, j'ai pas prévu, désolé. Donc le petit code, tac, j'ai l'impression d'avoir des problèmes de luminosité, non, c'est... Ouais, je sais pas, donc ça, on enlève tout de suite, c'est l'énergie, et on est parti. Donc, Béquipan, Multi-XP, Ratatak d'Alola, ça passera de tout commentaire désormais, Nodulite, Cosmog, Mimantis, Tadmorph d'Alola, Togedemaru, Soporific en reverse, et on termine avec un Kangourex holographique. Bon, bah voilà, bah ça commence bien. Ouais, on va dire que ça commence bien, donc ça, je vais mettre là à part. Donc, on enchaîne avec un autre Fel Inferno. Quand j'arriverai à les ouvrir, c'est incroyable de ne pas réussir à ouvrir ces boosters. Oh là, ça c'est pour vous. On fait du 3, le quatrième on l'enlève, c'est de l'énergie. Et on est parti. Picléron, Corailon, récupération d'énergie, Togedemaru, Coquillas, Makuhita, Rapace de Pique, Larvibule, Miaouz d'Alola en reverse. Et on termine avec un Fel Inferno. Un Fel Inferno dans un booster Fel Inferno. Ok, on va se faire le dernier, j'enlève juste le scotch parce que c'est une horreur. Tac. Tac. Ça, on enlève. Ça, c'est pour vous. Il est à l'envers. Voilà, c'est mieux. On fait du 3. On enlève la quatrième. Et on est parti. Motis Madex, Feblobol, Eflèche, Mimantis, Arago, Caninos, Krabagar, Vorastéri, Crisacier en reverse. Et on termine avec un Cosmovum. Bon, premier tripack, pas super fameux. Donc, on enchaîne tout de suite avec le deuxième. Donc, c'était les nouveaux tripacks. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de scotch. Ouais, non, j'ai rien dit. Il y en a beaucoup. Alors. Ah, j'arrive pas à les ouvrir, mais c'est incroyable ça quand même. Hein. Et j'ai le scotch qui traîne dessus. Tac. Le petit code. Ouais, on essaye de faire quand même assez vite, hein, parce que derrière, il y a encore les Pokébox et tout à ouvrir, donc c'est un peu... Un peu voilà quoi. Donc Prof Euphorb, Nosferatu, Repousse, Soporifique, Krabagar, Mascaïmon, Miaouz d'Alola, Picasso, Potion en reverse, et on termine avec un Crocorible en holographique.
Bon, j'aime bien les holographiques, mais bon, hein, on va pas se mentir, les ultras, c'est quand même mieux. Donc, on enchaîne. Oh là 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 là. On enchaîne avec le petit Lunala, j'allais dire Lunagello. Ah, c'est le super mix entre le Lunala et le Solgaleo. Donc, tac. Donc, est-ce que les nouveaux tripacks sont plus chanceux? Alors, ça, c'est une très bonne question. Je serais quand même super curieux de savoir ce que vous avez eu si jamais vous avez pris ces nouveaux tripacks. N'hésitez pas à dire en commentaire hein, surtout ce que vous avez eu parce que sincèrement, ouais, je suis vraiment curieux. Donc, Tili, Efflèche, Pokéball, Nounourson, Vorastery, Araquah, Croquine, Ponchio, Multi XP en reverse et on termine avec un Arcanin holographique encore. Bon, bah la carte est belle donc je vais pas m'en plaindre. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Hein. Je vais changer un peu la couleur. Voilà. Non, on le voit pas trop. Rouge, non, pas rouge. Du vert, c'est trop vert. Oh, bah tiens, un peu de bleu. Tac. Alors, le dernier booster de tripack. Oh là 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 là. Ces boosters, je vous jure. On va pas réussir à l'ouvrir. Hein. On va pas y arriver. Hein. Bon, le but, c'est pas de péter les cartes. Donc voilà, on va faire ça comme ça, tant pis. Tac, ça, c'est pour vous. J'ai un truc qui traîne, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Ah, c'est l'emballage du tripack. Pardon. Bon, l'énergie, je sais même pas pourquoi je vous la montre, en fait. Allez, on est reparti. Donc, Tili, Quatermac, Motismadex, Snubbull, Ratatadalola, Mascaïman, Picasso, Piafabec, Parasect, en rare reverse. Et on termine avec un Cosmovum. Bon, alors, les tripacks, 0 ultra, beaucoup d'holographiques. Bah écoutez, voilà. Hein. Bon, ça aurait pu être pire. Voilà, on va dire que ça aurait pu être pire. Je sais pas où mettre les cartes. Attendez, je vais faire ça comme ça. Ça comme ça. On va enchaîner, non pas avec le coffret. Hop, on va enchaîner avec la Pokébox Lunala. Donc on va ouvrir bah, de nouveau tout de suite, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Ouais, je voulais attendre un peu perso avant de vous faire voilà les vidéos Pokébox, coffret, tout ça. Je voulais attendre faire bah, une méga là comme on est en train de faire. Je pense que voilà, ça aurait pu être mieux. Et attendez, ça sonne, donc je coupe et je vous reprends tout de suite. Désolé, j'ai fait vite. Hein. Alors bon, juste pour info, c'était voilà, j'ai réceptionné. Un petit quelque chose qui sera dans la réception de colis donc d'avril. Je vous fais juste une petite mise en bouche, donc il y aura ça. Hein, c'est un tripack noir et blanc avec une Zoroark promo tellement belle. Elle est super jolie cette carte. Donc voilà. Donc ça c'est fait, c'était le petit aparté. Donc on y va donc avec la Pokébox Lunala. Alors on va ouvrir ça tout de suite. Bon personnellement, si c'est s'il y a de l'évolution dedans, bah c'est pas grave. Hein, ça. Vraiment pas grave. Attendez, on va y aller tout doucement. On va la laisser dedans pour le moment parce que j'aime pas du tout quand elle a les accroches un peu partout. J'ai toujours eu peur de ça. Donc elle est quand même super jolie. Hein. Bon, on va pas trop s'attarder. Hein. Vous avez déjà dû voir des milliers de vidéos. Donc nous, on va tout de suite y aller. Je vais poser ça à côté, mais pas trop à côté non plus parce que voilà, le petit code, il est pour vous. Donc la boîte légende Lunala et on y va avec un soleil et lune. Un deuxième soleil, soleil, donc en gros ce sera du soleil, ouais, donc que du soleil, quatre différents, ouais, c'est ça, et au moins j'ai même un petit Solgaleo. Alors attendez, j'arrive pas à sortir le dernier, tac, bon ça on enlève, waouh, donc ça on enlève tout de suite, je vais la mettre là, tac, donc on est parti, on va prendre, bon, ouais, on va juste prendre Solgaleo à la fin, et puis voilà. On peut pas perdre trop de temps. Parce qu'il y a encore pas mal de taf quand même derrière. Hein. Encore pas mal d'ouverture. Tac. Hop. Le petit code est pour vous. On se refait du 3. On prend l'énergie, on l'enlève. Et on est parti. Énergie multicolore. Chrysapile, Motismadex, Ponchio, Goélise, Snubbull, Carvana, Nosferapti, Super Bowl en reverse. Et on termine avec un Crustabri en rare. On enchaîne. Bon, j'ai vu des coffrets un peu plus chanceux et des Pokébox. Bon, le coffret, on n'y est pas encore, vous me direz. Mais bon, hop, je commence à plus avoir de place, moi, là-bas. Tac.
On se fait du 3, la quatrième on l'enlève et on est reparti. Récupération d'énergie, Candine, Spinda, Snubble, Ratatadalola, Mascaïman, Picasso, Piafabec, Mascaïman en reverse et on termine avec un Tartare holographique qui a droit bien entendu à sa petite protection. Et on enchaîne avec un Lunala. Quand j'arriverai de nouveau à les ouvrir, c'est incroyable. Non, j'arrive pas à les ouvrir. J'y arrive pas. Hein. Bon, là, je le jette tout de suite, sinon on s'en sort pas. Tac, le petit code. Tac. Bon, au pire, si jamais je vais trop vite, hein, vous faites pause sur le code. Ça, au moins, il n'y aura pas de problème. Allez, on est parti. Potion, Hypnomade, Échange, Mimantis, Spododo, Hermure, Titar, Bacabou, Échange en reverse. Et on termine avec un Kangourex holographique. Par contre, c'est quand même la fête aux holographiques aujourd'hui. Hein. J'aimerais bien une ultra quand même parce que voilà, vous le savez, moi c'est les ultras, c'est pas possible quoi, j'en ai tout le temps. Et là c'est un peu limite. Au niveau ultra, il n'y a rien du tout encore. Donc 3. Bon après, si c'est une grosse ultra, je pense que hein, ça pourra compenser largement. Double énergie incolore, Concombaf, Escroco, Flamiaou, Chartor, Manglouton, Brindibou, Cosmog, Géolite en Pokémon Reverse. Et on termine avec un Papillusion en rare. Bon, donc celui-là, cette Pokébox, je pense qu'on peut totalement l'oublier. Bon, on gardera la carte promo parce que la carte promo, bah voilà, elle est super belle, hein, faut pas déconner. Donc, on va tout de suite aller maintenant avec la Pokébox Solgaleo qui est franchement mon Pokémon nouvelle gen préféré. Hop, on ouvre ça. La petite promo de Solgaleo qui est très jolie aussi, hein, faut pas déconner. Hop, on va faire ça comme ça. Le petit code, il est pour vous. Tac. Ouais, nickel. Encore un petit Solgaleo dedans. Je suis content. Attendez, je vais tout sortir parce que sinon, on va pas s'en sortir, justement. Tac. On va mettre ça ici. Tac. Et on est parti. Juste Solgaleo pour la fin. Le petit jeton Pikachu, on va l'enlever d'ici. Allez, c'est parti. Tac. On va ouvrir tout ça. J'ai l'impression que ça fait longtemps déjà là, qu'on est sur la vidéo. J'ai pas le timing sur la caméra, ça m'embête un peu. Mais je pense ouais qu'on est. Ah, ça doit être une grosse vidéo, j'en ai peur, je suis désolé. Alors, Escroco, énergie multicolore, Chrysapil, Psychoquack, Piafabec, Mini Draco, Bombidou, Loupio, Mascadra en rare reverse et on termine avec un Parasect. Bon, on enchaîne. C'est vraiment pas fameux, hein. Je suis désolé. Bon, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Allez, on a encore des choses à ouvrir. Tac, le petit code. On se refait du 3, j'ai merdé. Ça, on enlève. Et on y va. Alors, Escroco, Béquipan, Multi-XP, Larvibule, Nosferapti, Chartor, Brindibousseau, Polifique, Trio Picker, Dalola, en rare reverse. Je ne ferai plus jamais un commentaire sur ces coupes, parce que c'est n'importe quoi. Et on termine à... Je l'avais pas vu. Ah, je l'avais pas vu. Ah bah voilà, ça c'était une bonne Pokébox. Et on termine avec un petit Mentali secrète. Alors attendez, on va tout de suite la mettre sous protection, celle-ci, parce que j'ai pas envie... Ah là, nickel. D'ailleurs, est-ce que je fais un petit aparté donc, la petite Mentali secrète, Mentali Mentalo, pardon pour la blague. Alors attendez, parce que cette Mentali, je vais la mettre ici 2 secondes. On a prévu des envois à PCA. Bon, je vous les montrerai. Et je vous mens pas sur les Mentali, c'est quand même folklore. Donc voilà. Donc on peut être super content. J'espérais une ultra, une full art en fait surtout. Je m'attendais pas trop à une secrète. Bah écoutez, on peut être content. Ouais, franchement, on peut être content. Bon, j'ai l'impression que cette secrète revient quand même assez souvent là, cette Mentali. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Attendez, j'arrive pas à le mettre, c'est incroyable ça. Allez, bon, je vais en prendre une autre. On va dire que celle-ci est foirée comme protection. Donc on en reprend une autre petite pochette. Là, il faut que ça passe. Et ça passe, merci. Voilà, donc la double protection.
plus bien entendu la troisième. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait vraiment pour les grosses grosses ultras. On fait toujours ça comme ça. Donc voilà. Ah bah c'est nickel, écoutez. Franchement, c'est parfait, c'est topissime. D'ailleurs, le Pikachu, il est content, il change de couleur. Il redevient rose, tiens. Voilà, nickel. Donc, tac. Ça, je range ici. Hop, et on est reparti. Donc, avec Archiduc, ce coup-ci. Bon, alors, franchement, avec une secrète dans une Pokébox, je pense pas qu'il y en aura une autre. Hein. Oh, non, je pense pas. On verra bien. Tac, le petit code est pour vous. Paf, si jamais il y en a un, je sais pas, ou malencontreusement, c'est compliqué à dire, malencontreusement, ouais bon, j'aurais mis le doigt dessus, n'hésitez pas à le demander en commentaire, hein, ou en message privé, comme ça au moins. Donc, Grumble, double énergie incolore, Concombaf, Crabagar, Mascaïman, Miaouz d'Alola, Picasso, Evoli, Manglouton en reverse, et on termine avec un Félinferno. Hop, dernier booster, c'est un seul Galéo. Il nous a toujours porté chance celui-là avant. Bon après c'était avant. Ouh! Tac le petit code. On se refait du 3. On enlève l'énergie parce que ça sert à rien du tout. Et on est parti. Rattatak, d'Alola, Froussardine, Tili, Bombidou, Makuhita, Snubbull, Rattata d'Alola, Mascaïman, Snubbull en reverse. Et on termine avec un Mascadra en rare. Bon, bah on retiendra de cette Pokébox la petite Mentali GX en secrète là-bas, là. C'est bien une secrète, hein, je suis pas. Ah oui, c'est une secrète. Je suis pas fou. Hop, on met ça ici. Ça, on peut enlever également. Ouais, on va faire ça. Je vais voir si je peux faire ça. En attendant, je ne peux pas, c'est pas grave. Tac, et du coup, on va s'ouvrir encore le petit coffret Loup-Garrok. Et voilà, on est heureux. Alors, c'est vraiment compliqué à sortir leurs cartes quand même là. Parce que le but, c'est pas de la péter, hein, c'est bien de la conserver en bon état. Bon, je suis content, j'ai réussi à la sortir à peu près correctement, ce qui fait que bah, elle est assez clean. Donc ça, c'est très très bien, je suis vraiment content. En plus, c'est une belle promo, c'est pas forcément enfin, c'est pas forcément sa forme que je préfère, mais je la trouve très jolie quand même. Donc on va juste sortir, donc soleil et lune, tac tac, il n'y a pas de code là-dedans normalement? J'ai pas de code, j'ai pas de code. Comment ça se fait que j'ai pas de code moi? Hé, j'ai pas de code! Attendez, bah non, j'ai pas de code. Bon, et là, Loup-Garrok, ça on va mettre là, en jumbo, qui est vraiment aussi super belle. Celle-là, je vais la ranger plus tard, parce que j'ai pas les pochettes à côté. J'aurais dû y penser, je suis désolé, j'y ai pas pensé. Ouais, donc par contre, comme dit, j'ai pas de code. Il n'y a pas de code dans le coffret? Bah si, une carte à code. Bah écoutez, bah j'ai pas de code. Je suis désolé, j'ai pas de code. Si jamais vous l'avez vu. Ah mais non, il est là. Putain, oh là 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 là. C'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Tenez, voilà, c'est fait. Donc on va terminer avec Soleil et Lune. Allez, offensive vapeur en premier. Tac. Ah ouais, j'ai eu peur avec le code là. Bon, après. Hop. Le petit code de offensive vapeur. On fait du 3, il n'y a pas d'énergie. Donc on y va. Allez, c'est parti. Donc, Brésilion, Dinoclier, recharge spéciale, Trompignon, Grelasson, Ouatouat, Tick, Grenipio, Golem en reverse, en rare reverse. Et on termine avec un Narmaldo. Allez, on enchaîne avec Evolution, c'est une série que j'adore et en plus un super booster, hein, c'est mon Dracaufeu. C'est mon Dracaufeu, chéri. Bon, déjà, on a vu qu'il y avait une énergie. Bon, bah écoutez, hein, ça, c'est pour vous. On fait du 3. Pardon, et on est parti. Pokédex, lien spirituel, Flagados, Nidorino, Énergie Combat, Magikarp, Onyx, Sabelette, Goupix, Electrode en rare reverse, et on termine avec un Nelector holographique. Une carte que j'adore. Bon, celle du set de base, enfin non, bon, c'est la même. Donc bon, au moins, voilà, on n'a rien à dire. Sauf les PV qui changent, tout ça, mais bon, voilà. Elle est vraiment superbe. Allez, on enchaîne. Je vous rassure, on a bientôt fini. Tac. Ah là là là. Quand j'arriverai à ouvrir ces boosters correctement, ce sera champomis pour tout le monde. Hein. Ah, je vous le dis. Hein.
Tac, celui-là je le mets à la poubelle parce que j'ai plus de place là-bas. Ça, c'est pour vous. On fait du 3, la quatrième, on l'enlève, on va mettre ça ici. Et on est parti. Tétarte, Otarlette, Chronoball, Bacabou, Nodulite, Cosmog, Mimantis, Tadmor d'Alola, Rapace de Pique en reverse. Et on termine avec un Lanterne. On termine avec le dernier booster du coffret. Oui, il y a encore d'autres coffrets, mais bon, il y en aura du côté de Dessy. Tac, le petit code est pour vous. Et on fait du 3, la quatrième, on l'enlève. Et on est parti. Quatermac, Motismadex, Concombaf, Nosferati, Chartor, Brindibouceau, Polifique, Bombidou, Dentikris en rare reverse. Et on termine. Alors là, j'en suis super content. Alors là, ouais, sincèrement, j'en suis super content parce que cette carte, on est tombé dessus. Si je dis pas de conneries, on est tombé dessus une seule fois. Une seule fois qu'on est tombé dessus. Donc c'est pour dire quand même. Oh, en plus, elle a l'air bien cadrée et tout. Bon, de toute façon, elle partira à PCA, donc celle-là, ça sert à rien de la demander. Elle partira du côté de PCA parce qu'en fait, l'un de nos objectifs PCA, c'est d'avoir toutes les secrètes de Lune et Soleil sous PCA. Donc ça c'est très bien parce que du coup on ne l'avait pas. Donc c'est juste parfait. Voilà, c'est énorme. Là franchement je suis super content. C'est vraiment énorme. Donc on va aussi tout de suite la mettre sous top loader. Donc je suis désolé, hein, mais il faudra qu'on tape un peu. Voilà, je m'excuse d'avance. Attendez. Attendez, parce que là, ça m'a, ouais, j'ai un peu merdé la protection peut-être. Ah, elle est mal mise. Ah, ça va, nickel. Donc tac, bah écoutez, voilà, bah c'est génial, franchement. Deux secrètes, je m'en fous de pas avoir eu d'ultra. Là, c'est top. Bon, allez, on va terminer. On a refait un petit stock parce que Dessy la dernière fois, bon, elle en avait chippé un peu. Donc écoutez, on va se faire ça. Voilà, on va juste se faire ça. Peut-être moins, hein, ça dépendra de ce qu'on va choper. Donc on va se faire ça, on est parti. Puis écoutez, on verra bien ce qu'on aura. Elle a enlevé quand même pas mal de boosters où il n'y avait rien dedans. Donc allez, avec un peu de chance, ça peut le faire de notre côté. Ce sera encore une fois avec vous. Donc tac, ça c'est pour vous. On fait du 3, le quatrième, on l'enlève, on est ici. Et on est parti avec un Quatermac, Motismadex, Concombaf, Snubbull, Mascaïman, Picasso, Carvana, Togedemaru, Alteo en reverse. Et on termine. Ah bah on terminera direct avec une GX qui est Floramantis. Bah écoutez, je. Non, bah voilà. Bah en fait, c'est très bien quand même comme méga ouverture. Parce que bon, bah du coup, on a. Pour le moment, je trouve qu'on a une excellente pioche. Ouais, je suis pas super content de Floramantis parce que c'est pas trop mon Pokémon préféré non plus. Mais bon, voilà quoi, la carte elle est belle, tout ça, tout ça. Je pense qu'elle partira à l'échange celle-là par contre. Bon, on vous tiendra de toute façon au courant. Tac, le petit code. On vous tiendra au courant de toute façon, ça y a pas de problème. Hein. Voilà, donc bon, voilà, vous avez juste à regarder les vidéos quoi. Donc Candine, oui, pour savoir lesquelles on mettra à la vente à l'échange. On vous fera d'ailleurs une vidéo dans pas très très longtemps, je pense. Donc Spinda, Potion, Larvibule, Piafabec, Tadmor d'Alola, Brindibouceau, Polifique, Larvibule en reverse. Et on termine. Waouh, bah écoutez. j'adore. En fait, elle m'a vraiment sorti les boosters de merde. Bah écoutez, c'est nickel. Non, bah là, sincèrement, vous savez quoi? On va arrêter. On va arrêter, on va juste se faire le Solgaleo là. Et puis je pense qu'on arrêtera là parce que c'est quand même top quoi. Là, ça avait très très mal commencé. Hein. Vous avez vu les tripacks, tout ça, c'était vraiment l'horreur. Les tripacks, c'était l'horreur. Alors par contre. Pokébox secrète, coffret secrète, les boosters à côté là dans le display, il y en a encore donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, ah, attendez j'ai pas merdé là, il se peut que j'ai merdé non, j'ai peut-être merdé non, j'en ai enlevé 3 donc bon attendez on va, bah non bah c'est,
Oh, je sais plus. Bon, bah tant pis, allez, on va y aller comme ça. Et puis voilà, donc c'est Cosmog. Ah ouais, Togedemaru. Alors attendez. Donc on va tout enlever. On va laisser les deux là. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Et on est parti. Chronoball, Géolite, Flamiaou, Chartor, Manglouton, Brindibou, Togedemaru. Et on termine avec. Bon. Alors, on va la laisser de côté. On va la laisser de côté, celle-là. Et pour le délire, bon allez, on va juste en refaire un, on va prendre le Luna là. Alors ça par contre, ça provient de tripack qu'on avait encore de côté, on avait tout ouvert. Donc ça, bon voilà. Non, parce que là, le display, sincèrement, allez, il y a peut-être encore deux foulards dedans, mais c'est tout. Donc, ou alors une foulard, hein, mais là, j'ai l'impression que c'est un excellent display, donc vous me faites super content. Donc tac, tac, et on y va. Allez, Quatermac, Sbire de la Team Skull, Pigvenin, Otaquin, Togedemaru, Coquillas, Makuhita, Rapace de Pique, Picasso en reverse, et on termine avec un Sucrène holographique. Bah, la petite protection, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hop, et on prend du coup le petit tas qui nous restait. Bon, là, déjà, j'ai vu que j'ai merdé avec la petite Otarnec. Donc, le Togedemaru, tac. Ah bah un Tauros. Ah nickel, un Tauros. Bah sincèrement, c'est du bon. C'est vraiment, vraiment du bon. Ce qu'on a eu, c'est vraiment top. Alors attendez, on va faire un peu de place par ici. On va mettre tout ça là. Tac. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça, on va enlever aussi, on va le mettre là. Voilà. Donc les petits codes, hein, vous les avez tous eus. Comme quoi, on en a quand même beaucoup ouvert, hein, des boosters là aujourd'hui. J'aurais pas cru qu'on en aurait ouvert autant par contre. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Hop. J'ai tout qui est tombé, je m'en excuse. Donc du coup, bah, on va revenir quand même vite fait. Bon, il y a eu quand même beaucoup d'holographiques. Tiens, on a eu deux fois la Kangourex. Ça, j'avais pas vu. Bah voilà, donc on a quand même eu de superbes holos. On aura eu 3 GX. Voilà, un Tauros, un Archiduc, un Floramantis. Nickel. Et on aura surtout eu la petite Mentali secrète. Nickel. Et l'énergie métal en secrète. Alors écoutez, c'est juste parfait. Voilà, c'est nickel. Bon bah voilà, bah écoutez, la vidéo elle est terminée. Surtout n'oubliez pas le concours des 50 abos parce qu'il se termine bientôt. Je vous mettrai un petit lien vers ici là. Puis du coup, ben moi je vous dis à demain. Ce sera une ouverture un peu plus light. On sera peut-être du Vigueur Spectral parce que j'aime bien, ou alors de l'impulsion parce qu'on en a beaucoup. Dimanche, ce sera le display, mais bon, là, on aura encore le temps d'en reparler. Et j'espère surtout pouvoir vous faire très vite la réception PCA. Bon, bref, on verra, ça viendra quand ça viendra. Bah, du coup, bah, moi, je vous dis, non, attendez, d'abord, je vous dis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas, hein, pensez à liker si vous aimez les cartes secrètes. Parce que voilà, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est mieux que les GX. Je suis désolé, j'arrive même plus en fait à être content des GX. Pourtant, les cartes sont belles et tout, mais on est tombé tellement de fois dessus que je sais pas, j'ai plus de mal avec les GX en fait. Alors que là, les secrètes, voilà, là, ça a de la gueule. Enfin bref, du coup, bah, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, de vous abonner. Tout ça, toutes les choses qui vont bien. Non, bah non, ça passera pas, je suis con. Bah du coup, bah moi je vous dis à demain. Dès demain, je ne sais pas encore ce que ce sera, à moins que vous me le dites en commentaire, en fait, ce que vous voulez. Peut-être si vous voulez une ouverture de telle ou telle série, n'hésitez pas à me le demander. Et du coup, bah moi je vous dis bye bye, et surtout n'oubliez jamais, profitez à fond de votre passion.